Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo afin de vous présenter mon jardin et les parcelles que nous allons occuper cette année. Donc pour commencer, ici, nous retrouvons le poulailler que nous avons monté au début du mois et qui accueillera d'ici la fin du mois 4 ou 5 poules. Peut-être 4 plutôt, car il est petit. Et nous n'avons pas encore fait l'enclos autour. Donc après, le long du mur, nous retrouverons certainement des courges ou courgettes. Là, le long des tuiles, nous avons planté ce matin des échalotés, des oignons. Et à côté, nous retrouverons donc la sarre que je vous ai présentée ce week-end, en début de week-end. Donc ma nouvelle serre que j'ai montée cette année. Donc avançons. Ici nous voyons qu'il y a encore un gros tas de paille que nous allons étaler sur les anciennes parcelles que vous avez pu voir l'année dernière. Donc vous les retrouvez dans d'autres vidéos aussi, etc. Et ici, sous la neige, se trouve la parcelle principale de cette année 2018 où nous accueillerons à peu près 150 variétés de tomates, voire un peu plus. Donc voilà, je suis collectionneur de tomates, j'adore ça. Voilà. Donc je fais aussi cette vidéo car aujourd'hui nous avons passé la barre des 300 abonnés. Donc je vous remercie, c'est grâce à vous que la chaîne elle vit, qu'elle continue de vivre, etc. Grâce aux likes, aux commentaires, etc. Donc cette année, on fera plusieurs vidéos. Donc là, c'est une petite vidéo d'information, etc. Visite du potager en hiver, etc. Mais on aura aussi la... Nous verrons aussi comment planter les pommes de terre, la visite de la serre quand il y aura les plants. Nous verrons comment tailler les tomates, comment mettre faire un semis en ruban, notamment avec un semis de radis en ruban. Nous verrons comment semer un oiseau du paradis, comment faire des semis en plaques alvéolées. Bientôt nous verrons comment faire un œil de neige d'artichaut, dédoubler les artichauts qui sont déjà en place. Nous verrons aussi la récolte des patates, le résultat, etc. Nous verrons aussi la culture de la patate douce. Donc pour moi c'est un test. J'ai mis en culture déjà, j'ai commencé à faire la vidéo quand je l'ai mis en culture, mais je veux faire une vidéo assez complète, jusqu'à au moins la plantation. Et aussi on fera un test sur la culture de l'arachide, de cacahuètes. Voilà, on se retrouve tout de suite pour voir l'ancienne parcelle que vous connaissez de l'année dernière. Donc nous voilà sur la parcelle que vous connaissiez, que je faisais visiter tous les mois l'année dernière. Donc on voit que les artichauts ont bien pris et qui se sont même dédoublés. Donc nous allons au printemps, à la fin du mois de février, début mars, nous verrons comment faire un œilletonnage, donc les dédoubler. Après là, on voit que la parcelle des tomates, nous avons enlevé les piquets, mais il y a encore quelques choux rouges qui sont en place, que nous allons mettre au récolté. Si on zoome un peu, nous avions mis de la paille sur une quinzaine de centimètres de haut. Et on voit que le compostage se fait bien place et que c'est presque la terre en fait qui est dessus maintenant. Donc toute cette partie là où il y avait les tomates avant, ça risque, je pense que nous allons planter plutôt semer des haricots sur l'ancienne parcelle de tomates. Donc
Nous avons trois sortes de haricots, des violets, des beurres et des verts, pour avoir de jolies assiettes. Et après, sur le reste de la parcelle, nous y trouverons très certainement des potirons, des potimarrons, des petits pois aussi, que nous allons semer plus loin. Donc tout ce que nous ne pouvons pas mettre sur la grande parcelle, nous le mettrons là, à vrai dire. Donc voilà. On voit que c'est bien décomposé. Mais nous allons repailler avec le gros tas de paille que nous avons vu tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette petite vidéo d'information vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter et à vous abonner. Allez les amis, ciao ciao!